Franchement, les gens qui regardent des vidéos sur Internet pour s'instruire, je comprends pas, hein. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Voir midi à sa porte. Un peu comme quand je passe des nuits entières à glander en scrollant les réseaux sociaux et qu'à midi, je me fais réveiller par ce petit rayon de soleil pile dans l'œil, alors qu'il a traversé des centaines de milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à moi. Quoi? Scroller les réseaux sociaux, c'est moins intelligent que regarder des vidéos? Non, je ne suis pas d'accord. Quand on regarde des vidéos, on peut s'instruire. Et je ne veux surtout pas ça. T'imagines, après, si je deviens cultivé, je serais plus capable de tenir des conversations de gens normaux. Ce serait horrible. Non, moi, je scrolle mon bon vieux Facebook avec mes 3000 amis que j'ai rencontrés une fois il y a 10 ans dans un concert. Et je suis leurs aventures journalières. En plus, avec un peu de chance, ils ont oublié que j'étais dans leur liste d'amis. Donc je peux observer comment pense un véritable être humain sans jamais qu'il sache que je suis là. De ce que j'ai retenu, l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des opinions tranchées sur tous les sujets et de se battre avec des inconnus dans les commentaires des publications qui font polémique. Alors que regarder des vidéos, ça me fait peur. Certains appellent même à avoir des pensées nuancées, à vérifier ses sources et autres stupidités qui ne répondent pas à la question quel est le meilleur groupe entre Slipknot et System of a Down? Ah, on me dit dans l'oreillette que voir midi à sa porte, ça veut dire voir les choses en fonction de ses propres intérêts. Eh ben moi, c'est dans mon intérêt de pas trop en savoir. Parce qu'il paraît que plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. Mon avis est tranché sur la question. Moins on en sait, moins on sait qu'on ne sait rien. Être intelligent, ça sonne comme un truc qui fait mal au cerveau. Moi, je préfère m'épanouir dans ma médiocrité. Mais bon, chacun voit midi à sa porte.